Découpez au cutter le haut du gobelet pour ôter le cercle rigide. Pour égaliser la découpe, vous pouvez repasser au ciseau. Coupez le gobelet en 8 parties égales sur une hauteur de 2 à 3 cm. Rabattez ces 8 ailettes vers le centre. Arrivé à la dernière ailette, passez celle-ci sous la première pour qu'elle soit autobloquée. Placez le gobelet sur la feuille de couleur et faites-en le tour pour obtenir un cercle. Découpez ce cercle à l'aide des ciseaux crampeurs. Avant de fermer la boîte comme suit, n'oubliez pas de votre côté d'y glisser un petit cadeau. Placez le cercle de couleur sur la boîte et maintenez le tout à l'aide du masking tape. Et voici un petit écrin pour vos cadeaux. Au cutter, découpez le fond d'un gobelet. Ôtez environ 2 cm sur la hauteur du ballon et fermez l'ouverture basse avec un nœud simple. Enfilez le ballon par la grande ouverture sur le fond du gobelet que l'on a découpé. Fixez-le avec du papier collant sur tout le pourtour. Découpez la base d'un autre gobelet au cutter. Si besoin, égalisez au ciseau. Découpez l'anneau rigide du premier gobelet, celui muni du ballon, et enlevez au ciseau environ 5 mm. Ajoutez le gobelet muni du ballon dans le second gobelet dont la base a été enlevée. Mettez les confettis dans votre canon à confettis et c'est parti! Découpez au cutter le haut d'un gobelet pour ôter la partie rigide. Puis, redécoupez-le à ras du bord avec des ciseaux crampeurs. Dans du papier sulfurisé, découpez un carré comme suit. Placez le carré de papier dans le gobelet et ajoutez-y le petit pain. Placez le gobelet sur une feuille de couleur et faites le tour de sa base au crayon. Découpez le cercle à l'aide de ciseaux droits. Dans le cercle ainsi obtenu, perforez un trou à l'aide de la perforatrice forme. Écrivez le prénom d'une personne sur le cercle. Coupez une longueur de ficelle et pliez-la en deux. Passez la ficelle pliée en deux dans le trou perforé et passez ensuite l'extrémité de la ficelle dans l'anneau. Resserrez. Faites le tour de la base du gobelet à l'aide de la ficelle et terminez par un nœud papillon. Et voici! Il ne reste plus qu'à dresser la table!